C'est Boruto ! Eh bien non, en fait, c'est Fabienne Loriot. Et je vais vous parler un petit peu de ce que je fais en doublage et de un petit peu toutes les voix que j'ai pu faire. Bon, écoutez-moi tous. Vous allez chercher toutes les propriétés avec Terra de Chasse dans un rayon de 100 km depuis la pharmacie de Palomé. Je veux une carte de Tolède ! Trouvez-moi une carte de Tolède ! En fait, on n'a même pas eu de casting. C'est la DA, la directrice artistique, qui a choisi les voix. C'est comme ça que j'ai eu la chance d'être dessus. J'étais souvent en studio avec Sébastien Hébran qui faisait le professeur. C'est chouette parce qu'on peut vraiment jouer ensemble. Donc ça, c'était super gay. Tu crois que j'avais l'intention de tomber amoureux de l'inspectrice en charge de l'affaire ? Je ne veux plus rien entendre. Mais au fur et à mesure qu'on regardait les épisodes, on se disait « c'est quand même une sacrée bonne série, ça ». C'est bien joué, le scénario est vraiment intelligent. Ouais, c'est chouette à regarder, c'est chouette à suivre. Alors on avait envie de savoir ce qui allait se passer. Petit à petit, quand on s'est rendu compte que oui, ça avait un impact incroyable, quoi. Qu'est-ce qui me dit que je n'ai pas affaire à l'un de tes clones, moi aussi, papa ? Allons, ne dis pas de bêtises, Boruto. C'est le bureau du Hokage. Oui, c'est ça, fais comme si je n'existais pas et défoule-toi sur mon instructeur. Pourquoi tu ne viens jamais à mes entraînements ? En général, quand on passe un casting, il y a toujours trois personnes qui passent sur ce casting. Donc il y avait deux autres filles aussi. Je connais pas Naruto par cœur parce que c'est hyper complexe. Mais oui, je voyais bien le personnage et ouais, moi j'avais envie, oui. Lors de ton prochain entraînement, et c'est plutôt de... J'ai pas besoin de m'entraîner. Tout à l'heure, j'ai fait deux clones et je maîtrise déjà plein de techniques. Le phyton et le raiton. Oui, les doigts dans le nez, c'était pas très compliqué. Sur l'extrait que moi j'ai vu un garçon hyper attachant, très énergique et qui avait un air un peu satisfait de lui-même et en même temps, enfin, sarcastique, drôle. Enfin, il a plein de facettes. Et bon, il fallait lui donner un petit côté rebelle. On a fait plusieurs tests, on a cherché. Puis à un moment donné, ben voilà, je me suis dit, bah, ça c'est peut-être lui. Donc, ouais, Boruto, je vais le chercher un peu là. Et oui, c'est un petit peu, il y a un petit grain. On a déjà essayé de faire 8 heures de Boruto. C'est vraiment pénible. À la longueur. Oh, ben tourbillonne! Tu m'étonnes que je peux encore me battre. On va gagner, tu vas voir. Pour le jeu, on avait des ondes sonores en japonais, parce que bon, le japonais et le français forcément, ça n'a pas les, ils peuvent dire un mot et nous on va en dire trois, où on pouvait moduler la phrase en français pour que ça corresponde au timing. C'est fatigant parce que, comme je te dis, on doit être hyper focus, mais ouais, moi, enfin, c'est un exercice particulier et c'était super gai à faire. Je suis désolée pour le retard, Rainbow. Mais j'étais en pleine cueillette de pommes et j'ai dû fermer les yeux une seconde. Et quand je me suis réveillée, j'étais en retard. En fait, Applejack, ça ressemble. C'est un plus en maigre, c'est un peu comme Boruto. C'est ma voix de petit garçon. Ouais, ouais, c'est moi, Applejack. Applejack, c'est l'amitié, c'est les pommes. J'adore les pommes. On fait la récolte tout le temps. C'est génial, les pommes. Je t'ai dit que je pouvais m'occuper seule de cette récolte et je vais te le prouver. Je vais cueillir toutes ces pommes jusqu'à la dernière. C'est moi qui te le dis. Et sans l'aide de personne. Ah oui, il y a des fans, c'est incroyable quoi. Il y a des fans qui suivent, il y a des fans... S'il y a un truc qui n'est pas... Parce que bon, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui ne soient pas correctes, enfin, de la façon dont on prononce un truc ou quelque chose qu'on a oublié. Il y a les fans tout de suite sont là pour dire « Ouais, non, mais ça va pas... » Non, c'est hallucinant quoi. Anne, veux-tu apporter un brin de toute cette abondance à Rachel? Pas ceci en revanche. C'est une histoire qu'on a eu aussi envie de suivre du début jusqu'à la fin. On était impatients de savoir ce qui allait se passer. On nous avait dit que les livres, ça avait été un best-seller. Moi, je connaissais pas. Mais quand on a commencé à visionner les épisodes, c'était vraiment bien. Marilla, elle est plus âgée. Donc, ma voix, elle était beaucoup plus... Bon, oui, plus âgée. Anne, ma petite fille, il va falloir que tu saches te tenir maintenant. Ça suffit. Écoute-moi quand je te parle. Je connaissais One Piece, mais je ne suivais pas du tout le manga. Je connaissais une des filles, c'est Marsha Van Boven qui a fait la première fois la voix de Nico. Les choses ne sont pas toujours simples. En fait, j'étais à la recherche du Rio Poneglyph. Qui a une voix sublime, elle a une voix magnifique, mais voilà, on a chacun nos spécificités. J'ai passé le casting, voilà, s'ils l'ont accepté, c'est que je devais convenir. De l'eau de mer. D'accord. Si je comprends bien, ça voudrait donc dire que l'éléphant géant s'est douché. Nico Robin, c'est ma voix. Elle a toujours un côté un peu calme comme ça. Donc quand elle parle, c'est toujours avec une voix profonde, chaude. Je ne suis pas Luffy. Oui. Je ne suis pas Stéphane, qui est plutôt bam. Mais c'est bien parce qu'on est complémentaires sur plein de choses. On a déjà doublé plein de fois ensemble. Mille fleurs. Call mini!